Dans mon livre, L'ADN fossile, une machine à remonter le temps, ce que je fais, c'est que je vous invite à un voyage dans le temps. Alors, ce n'est pas un roman de science-fiction, c'est en fait un essai scientifique, parce que depuis maintenant une trentaine d'années, les scientifiques ont inventé des outils qui sont capables de nous faire remonter le temps à des époques qui, semblait-il, jusqu'alors étaient passées à tout jamais. Comment cette machine-là a remonté le temps, elle fonctionne, c'est un des premiers sujets que je traite dans le livre, c'est d'utiliser une molécule que vous connaissez tous, qui est la molécule d'ADN, cette même molécule qui code la biologie de votre individu, c'est-à-dire qui donne les instructions à vos cellules pour faire de vous un être vivant. Et il se trouve que dans cette molécule, il y a beaucoup d'informations qui sont déployables, par exemple des informations qui vont nous renseigner sur la couleur de votre peau, sur la couleur de vos yeux, et qu'on va donc pouvoir appliquer au passé pour retrouver la couleur des yeux, la couleur de la peau des individus passés, un caractère qui finalement est peu attendu dans le registre archéologique. Mais il y a aussi des informations sur les liens de parenté entre les individus, les uns avec les autres, leurs relations familiales ou alors leurs relations de population les unes avec les autres. Et ainsi, de pouvoir, à dos d'ADN, si je puis dire, remonter le fil de l'histoire, le fil de la préhistoire, bref, le fil du temps. Et de raconter en filigrane l'histoire de notre humanité. Alors l'ADN, c'est aussi une molécule qui n'est pas que présente en vous et en moi, c'est une molécule qui est présente en fait quasiment chez tous les êtres vivants. Et de ce fait, cette même histoire, on va pouvoir la déployer, pas que chez les humains du passé, mais en fait chez les animaux, chez les plantes, chez tous les êtres vivants qui nous ont laissé des vestiges aujourd'hui. Donc dans l'ADN fossile, une machine à remonter le temps, ce qu'on fait, c'est précisément ensemble remonter le temps et essayer de mieux comprendre, grâce à ces outils, d'où on vient. Quelles ont été les étapes évolutives qui ont construit les civilisations du passé, quelles ont été les grandes étapes de notre histoire qui ont le plus impacté notre environnement, quels ont été les processus par lesquels nos ancêtres ont domestiqué le loup en chien, ont domestiqué le cheval sauvage en l'animal que l'on peut, vous et moi, monter à loisir aujourd'hui. Bref, on décortique ensemble certaines des grandes étapes qui ont jalonné notre histoire. Il se trouve que parmi les étapes qui ont jalonné notre histoire, il n'y a pas qu'une affaire de qui sommes-nous, d'où venons-nous et qu'avons-nous fait au monde, mais il y a aussi qu'est-ce que le monde nous a fait, et en particulier quelles épidémies par le passé ont sculpté les populations du passé, les ont hantées, les ont décimées parfois. Je pense par exemple à la grande peste noire qui, au milieu du XIVe siècle, a décimé la moitié de notre population. Bref, ce que je vous invite à faire en remontant le temps génétique, c'est finalement mieux comprendre toute l'histoire dont le déroulé a conduit jusqu'à vous, jusqu'à moi aujourd'hui, jusqu'aux êtres vivants que nous sommes. Alors, si je dis ça, c'est qu'en fait, s'intéresser au passé en étant archéologue ou archéogénéticien, si on s'intéresse à l'ADN, c'est pas qu'une affaire de regarder le passé pour mieux le comprendre. C'est aussi une affaire de mieux comprendre ici, aujourd'hui, maintenant, ce que sont nos sociétés. Par exemple, je disais que nos outils nous donnent des informations sur la couleur de peau des peuples passés. Et alors, de pouvoir poser la question de quelle couleur de peau avaient les hommes et les femmes qui vivaient ici, mettons en France, il y a quelques milliers d'années. Et vous seriez surpris de découvrir certaines des réponses que mon livre apporte à ces questions-là, interrogeant de ce fait l'immuabilité de ce que l'on pensait être nos ancêtres et découvrir ensemble que la diversité n'a pas daté de simplement les derniers siècles ou les dernières décennies, mais que la diversité a été vraiment quelque chose qui a pétri les civilisations du passé. Je pourrais faire la même déclinaison pour comprendre avec l'ADN quels vestiges du passé étaient ceux d'hommes ou ceux de femmes. Bref, revisitons ensemble la définition que l'on donnait du statut des femmes et des hommes dans les civilisations du passé, notamment celles vikings. Bref, avec tous ces exemples-là, j'espère attirer votre regard sur le passé pour vraiment vous rendre compte à quel point le passé, d'une certaine manière, n'est pas tout à fait passé. Non seulement nos outils continuent à refuser de le faire mourir, mais en fait, comment ce dernier, le passé, est bien vivant en nous, aujourd'hui et maintenant.